En fait, le choix du titre Désir d'Islam, d'abord, c'était pour banaliser un petit peu les recherches sur l'islam aujourd'hui, puisqu'il y a un climat très anxiogène, très passionné. C'est pas très facile de travailler sur cet objet. Et je pense qu'on voulait marquer toutes les deux le fait que l'islam peut être désirable comme toute autre forme de spiritualité qui, voilà, peut permettre des soutiens pour l'accomplissement de soi et toute autre voie d'émancipation éventuelle. Donc, on voulait, voilà, un peu banaliser et positiver, si je puis dire, notre approche. Et en fait, l'idée était quand même de s'inscrire à contre-courant des ouvrages qui ont récemment plutôt stigmatisé le renouveau de l'islam ou sa visibilisation dans l'espace public, ont plutôt insisté sur le danger, la menace, la reconquête de territoire par un islam fondamentaliste, etc. Donc, en fait, on avait envie de proposer une couverture d'ouvrage et un titre d'ouvrage qui s'éloigne de cette approche-là, en fait. Avec clairement d'ailleurs sans doute des couvertures en tête, terreur dans l'Hexagone, noir, etc. Donc voilà, c'était d'abord, au-delà du terme lui-même, c'était quand même plutôt montrer quelque chose qui pouvait être d'une certaine manière dédramatisé dans l'approche, et puis montrer aussi que on pouvait parler d'islam sans forcément parler aujourd'hui de radicalisation et que le renouveau de cette religion chez les jeunes générations, notamment en Occident, c'était beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus mosaïque, beaucoup plus pluriel et avec une certaine forme d'intérêt que ça pouvait avoir sur la manière dont, à partir de l'islam, les jeunes générations pouvaient participer au débat public et évoquer aussi une critique sociale qui ne soit pas complètement mortifère ni dangereuse. Ce sont effectivement des points de fixation qu'on retrouve depuis plusieurs années ou même quelques décennies. Alors, en fait, le port du voile, bien sûr, c'est un point de fixation parce que il est visible dans l'espace public. Il marque l'appartenance à un islam plutôt rigoriste des femmes qui le portent. Et que en France, ce voile est très très souvent interprété comme un signe, si ce n'est d'arriération, en tout cas un signe de soumission de la femme à l'homme. Alors que, bon, en réalité, je pense que d'abord, hein, du point de vue, si on se passe du point de vue notamment des hommes politiques qui prennent la parole pour commenter ce voile, je crois que on peut pas à la fois défendre la République, la laïcité, et puis finalement donner une interprétation de ce signe religieux. Je crois que ça n'appartient pas en fait aux hommes politiques, aux femmes politiques, alors qu'ils défendent la laïcité, de donner une interprétation de ce signe religieux. Alors bien sûr, hein, parfois le voile peut être la traduction d'une soumission d'une femme qui est contrainte par son frère, par son mari, peut-être par son père, de porter le voile. Je ne dis pas que ce n'arrive pas, mais c'est certainement pas une explication universelle. En tout cas, chez les jeunes femmes que nous, on a rencontrées avec Agnès, on a constaté que souvent ces jeunes femmes qui portaient le voile avaient dû parfois, assez souvent, batailler avec leurs parents pour l'imposer. Mais en tout cas, si ça... Ça, c'est sûr que c'est une spécificité française, hein, le fait que ça hérisse et que ça soit interprété comme quelque chose d'extrêmement régressif et non pas comme l'expression d'une identité particulière qui serait acceptable. Alors la question du halal, c'est intéressant parce que là, on pourrait dire qu'on est dans le cadre d'une pratique privée qui ne regarde pas, qui ne nous pose pas question tous aux uns aux autres, qui mange quoi. Mais en fait, le problème se pose bien sûr à l'école avec la cantine. Effectivement, les institutions républicaines et l'école sont souvent, disons, très fermes sur ce principe de on ne déroge pas
à ce repas qui est censé être pour tous. Alors là, il y a aussi une tradition française, non seulement d'universalisme, où personne n'est différent, tout le monde adhère à ce modèle qui est censé être émancipateur pour tous. Et puis en plus, je crois que peut-être aussi ce qui s'ajoute à ça, c'est que dans la tradition française, le repas partagé est extrêmement important. Donc cette demande, alors non pas parce que beaucoup finalement de musulmans qui demandent, qui voudraient que les enfants mangent à la cantine ou partagent des repas qui sont offerts par des institutions, ne demandent pas forcément du halal, parce qu'ils comprennent bien que là c'est une demande religieuse très clairement identifiée, mais ils demandent du végétarien. Et ça, souvent, c'est refusé au nom de la laïcité. Pourtant, on voit bien qu'il y a d'autres demandes particulières pour se nourrir. C'est-à-dire que là, on a aussi en France, on a aussi beaucoup de végétariens ou de véganes qui ne veulent pas manger de viande. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on accommode tout ça? Je crois qu'il y a une petite cécité du côté des institutions républicaines qui ont en tête cette demande des musulmans qui voudraient réformer le modèle, introduire de l'islam de manière masquée, introduire des demandes religieuses et imposer un modèle multiculturel. Je crois que là, on manque quelquefois de pragmatisme par rapport à ces questions-là. Et elles sont traitées tout à fait différemment en haut lieu. C'est intéressant parce que pour avoir participé à un colloque qui était organisé par le Sénat français sur l'anniversaire de l'indépendance algérienne, enfin à l'occasion du cinquantenaire, il y avait un très bon buffet qui était servi. Il y avait bien sûr beaucoup d'invités algériens. Eh bien, le buffet était halal. Donc, quelque chose qui était organisé par le Sénat. Donc, quand on est en haut lieu, on accepte ces demandes qu'on respecte. Et puis, quand on est dans des quartiers plus défavorisés, on estime que c'est forcément du communautarisme, un surcroît de religiosité qui n'aurait pas sa place à l'école. Dernier point sur le blasphème. Alors là, la question est évidemment très épineuse et encore plus aujourd'hui. Bien sûr, là, c'est une des peurs que suscite l'islam en France aujourd'hui. C'est bien sûr la réaction extrêmement violente plusieurs réactions qui se sont manifestées avec des attentats terroristes à la suite d'une dénonciation de blasphème. Donc là, ça devient évidemment une image, ça cristallise une image repoussoir de l'islam, d'un islam bien sûr extrémiste, mais qui épingle l'islam comme religion intolérante et violente. Un point, un effet capital de la contribution, une des contributions, celle de Laetitia et moi dans l'ouvrage à propos des jeunes femmes voilées, ça a été pour nous de comprendre et d'essayer de faire comprendre à quel point le voile était en effet perçu par les jeunes femmes elles-mêmes souvent comme un instrument de libération d'un certain nombre de contraintes qui sont liées pour elles plutôt aux relations de genre en fait. Donc ils peuvent être liés à une volonté de s'émanciper d'une certaine forme de machisme dans leur milieu d'origine, mais aussi d'une forme de machisme persévérant, on va dire, et pérenne dans la société française, dans les sociétés occidentales. Et donc il y avait quelque part une revendication d'échapper au jugement qui ont trait au canon de la beauté, d'échapper à des formes de harcèlement, dont parle beaucoup, beaucoup de jeunes femmes, et pas du tout seulement des jeunes femmes voilées. Donc ça a été important pour nous de montrer ça, qu'il pouvait y avoir quelque chose d'une revendication qui n'est pas du tout une forme d'arriération, mais au contraire une prise de pouvoir là-dessus, qu'il pouvait y avoir une revendication d'une lecture personnelle des textes qui précisément dégagent d'une tradition plutôt patriarcale qui pourrait être associée au milieu d'origine, en tout cas, qu'il pouvait y avoir
aussi une demande de spiritualité, d'accomplissement de soi qui se déplace hors de certains modèles de la société, des sociétés occidentales que ces jeunes femmes jugent matérialistes, creuses, non chaleureuses et quelque part non propices à la réalisation de soi. Et ça s'accompagne aussi d'une forme de défiance à l'égard des institutions. La modernité, en fait, historiquement, pour les sciences sociales, c'est quelque chose, c'est un modèle qui fait que les individus peuvent avoir confiance dans les institutions pour s'épanouir. Peuvent avoir confiance dans des institutions qui seraient démocratiques et égalitaires, contrairement à une tradition historique plus autoritaire et monarchique en ce qui concerne la France. Donc, qui pourraient faire confiance à ces institutions-là pour s'émanciper. Ces jeunes femmes, et comme beaucoup, beaucoup d'autres groupes aujourd'hui, beaucoup de collectifs et d'individus, en fait, elles croient moins à ça, et elles cherchent les voies d'une émancipation qui, elle, prend le chemin d'une émancipation spirituelle, et ça pourrait être d'autres formes, en tout cas, c'est celle-là. Alors, après, ce désir-là d'émancipation, en fait, comme toute forme d'affiliation à une croyance, une idéologie, une pratique, un goût, elle peut aussi contenir des éléments d'autocentration, des éléments de refermement, parce qu'on va considérer que quelque part sa voix est la meilleure, qu'on a moins de choses à dire à des gens qui ne poursuivraient pas cette voie, que les principes qu'on cherche à s'appliquer à soi-même sont universellement des principes qui devraient être adoptés par tous, etc. Et donc, en fait, toute forme d'affiliation, de recherche d'appartenance, de communion avec des gens qui, sur certains points, nous ressemblent ou font communauté avec nous, et qui plus est lorsqu'il y a une dimension critique de la société mainstream, peuvent aboutir à une centration, à un refermement éventuel, à des désirs de retrait parce qu'on a l'impression que le monde quelque part risque de nous détacher de ce qu'on pense être soi, sa voix personnelle ou dans un petit groupe d'accomplissement. Donc le monde peut apparaître aussi comme une forme de menace. Et ce qu'on essaye de montrer dans ce livre, c'est que il peut y avoir une forme d'islamocentrisme, en tout cas une manière de refluer un peu vers son identité, que c'est pas forcément plus séparatiste que bien d'autres formes d'affirmation identitaire, et que qui sont légion aujourd'hui, qui constituent un trait marquant de notre période, on va dire, de seconde modernité, ou voilà, d'affiliation un peu défiante aux institutions et de repli sur des collectifs. Et qu'en ce qui concerne l'islam, effectivement, la tonalité du débat public aujourd'hui, qui insiste beaucoup sur la menace que constituerait cette dérive éventuelle séparatiste, en fait, crée ce que l'on craint, finalement. C'est-à-dire que c'est plutôt parce qu'on ne fait pas de place dans le débat public sous une forme un peu apaisée à une visibilité identitaire, certaines revendications identitaires ou un désir de reconnaissance, que l'autocentration risque de se renforcer, en fait. Et si on ne fait pas de place dans le débat public à ces formes-là d'affiliation, d'une manière réactive qu'on comprend très bien, le désir de repli et le sentiment de ne pas être traité comme on aimerait l'être, ça croît et voilà, ça peut déboucher sur ce centrisme-là. Mais c'est vrai pour tous les groupes, et voilà, l'objectif qu'on avait avec Laetitia, c'était d'essayer de faire considérer que la réponse de la politique par rapport à cette quête identitaire, si elle enferme dans un diagnostic extrêmement menaçant, alors elle crée le séparatisme qu'on craint. En tout cas, elle crée sa potentialité. Absolument, il faut considérer que c'est un plaidoyer. En fait, on est quand même dans un climat où, d'une certaine façon, les sciences sociales sont largement remises en question, au plus haut niveau d'ailleurs, du débat public et politique. Lorsque Emmanuel Macron, le 2 octobre, fait un discours qui annonce le projet de loi, notamment la mise en discussion de la laïcité telle qu'elle est appliquée et conçue en France, en fait, dans ce discours-là, au Muro, le 2 octobre, il y a quelque part, alors c'est quelques phrases, une remise en cause à nouveau des sciences sociales sur le fait que le débat intellectuel en France serait parasité par la polémique, l'idéologie, en référence à
une sorte de diffusion de traditions anglo-saxonnes. Alors, elles ne sont pas mentionnées, mais sans doute il s'agit des post-colonial studies ou des choses comme ça. Et donc, on a quand même l'impression que, quelque part, la légitimité des sciences sociales dans ce débat-là est largement discutée et remise en question. Donc, on avait envie d'affirmer à quel point des études empiriques sur ces sujets-là qui puissent refroidir un peu, dépassionner les choses, apporter de la nuance, complexifier parce que le réel est complexe et prendre le contre-pied de certains stéréotypes sont nécessaires. Et d'ailleurs, elles sont nécessaires y compris au fond pour mener les politiques publiques qui permettent de sécuriser. C'est pas tellement pour s'opposer absolument aux politiques sécuritaires que les SHS ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle à jouer parce qu'elles nourrissent l'expertise et donc la réflexion publique, et vraisemblablement des politiques qui visent de manière légitime à éviter la violence et le désordre public au sens où ça nuirait à l'ensemble des citoyens, y compris, bien évidemment. Elles ont du sens, ces SHS, à partir du moment où elles peuvent construire du savoir qui permette de mieux cibler et de mieux construire ces politiques publiques. Parce que si on construit les politiques publiques sur des diagnostics parfaitement erronés, sur des a priori, sur des convictions qui n'ont pas de sens autre que des convictions personnelles et qui ne reflètent pas le réel, eh ben, on va taper fort, souvent, mais on va taper aussi à côté du problème, et donc on va au fond sans doute plutôt l'accroître, parce que les personnes cibles de ces politiques auront le sentiment de quelque chose qui est tout à fait décalé avec leur réalité, ou ils auront le sentiment pour les musulmans aujourd'hui d'une stigmatisation très forte et d'amalgame très fort à leur égard. Donc on va complètement aller dans le sens contre-productif par rapport à ce qu'on voudrait faire. Donc c'était pas forcément pour s'opposer à une logique de sécurité, donc on, voilà, avec la violence qui peut déboucher d'un islam extrémiste, donc on comprend bien la nécessité. C'était plutôt pour dire que si on prend pas le temps d'explorer un peu mieux ces phénomènes sociaux qu'on cherche à circonscrire, qu'on ne prend pas le temps de débattre, qu'on ne prend pas le temps de distinguer ce qui relève d'une menace et ce qui ne relève pas d'une menace, eh bien, on va fabriquer de la politique publique qui sera inefficace et qui sera surtout nuisible dans un climat où la cohésion sociale sur ces questions est quand même très très fragilisée et où l'intolérance et les avis tranchés sont légion. Donc c'était plutôt ça qu'on avait envie de dire en essayant de réhabiliter, en effet, les sciences sociales dans leur capacité à explorer le réel, à en rendre compte de manière complexe, à destination aussi des politiques publiques, si on veut bien entendre, de la part de ces instigateurs des politiques publiques, que le réel est complexe, et c'est ça qui doit nourrir l'action, même si ça la rend peut-être difficile. Alors, il est évidemment compliqué, hein, après les événements récents, de parler de cette question, parce que la violence, l'assassinat de Samuel Paty, bien sûr, écrase, hein, d'autres faits qui peuvent être considérés évidemment comme moins importants. Voilà, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que tout en dénonçant avec la plus grande fermeté, tout en s'indignant face à ces actes ou à ce qui facilite, hein, ce qui accompagne, ce qui entoure ces actes de violence et cet assassinat, on peut quand même entendre le fait que voilà, certains mots, certains dessins, certains propos heurtent ou blessent certaines catégories de la population. Cette sensibilité dont on a pu parler, dont en fait parlait Régis Debray à propos justement des affaires des caricatures, mais en fait c'était avant ces actes de violence, donc bien sûr les paroles résonnent tout à fait différemment. Mais en fait c'est l'idée que y a un phénomène, hein, assez massif d'intolérance face à ces blessures, ces moqueries qui peuvent heurter les gens. Et on y fait de plus en plus attention. Bah,
Pour les musulmans, il y a aussi cette revendication. On a oublié ça, hein, bien sûr, parce que les attentats contre Charlie ont balayé tout ça. Mais après la publication des caricatures dans Charlie Hebdo, il y avait eu une action en justice qui avait été menée par plusieurs associations musulmanes, dont la mosquée de Paris. Et ce sur quoi ces associations musulmanes, ces institutions musulmanes mettaient l'accent dans leurs plaintes, c'était non pas la question du blasphème, hein, parce qu'elles savaient au fond qu'en France, il n'y avait pas de délit de blasphème. Ce sur quoi elles mettaient l'accent, c'était justement sur ces sensibilités qui étaient heurtées. Et bien voilà, les musulmans sont heurtés souvent. Éventuellement par des caricatures, enfin encore que, bien sûr, il y a sans doute des musulmans aussi qui peuvent rire de ces caricatures, mais il y a aussi tout un tas de musulmans français qui sont heurtés par des commentaires, par des questions, qui ne sont pas forcément des marques d'hostilité de la part des personnes qui posent ces questions, qui font ces commentaires, mais qui montrent cette méfiance vis-à-vis de l'islam, ces stéréotypes, le fait que souvent, voilà, si on se dit musulman, il faut alors après, assez rapidement, donner des signes pour montrer qu'on est un musulman modéré. Voilà, ce que n'aurait pas à faire forcément un croyant d'une autre religion.